أنا كتيار يعني أو كفصيل يساري ماركسي، العلاقة ما بيني وبين القوى السياسية الدينية هي علاقة القطاع على القضايا السياسية، نحن نلتقي معهم في القضايا السياسية، مناهضين لاتفاقيات التسوية، وبالتالي التيارات الدينية هي مناهضة لاتفاقيات التسوية، فهذه نقطة التقاء ما بيننا وبيننا وبينها. وبنختلف معها في القضايا الاجتماعية. يعني احنا بنلتقي اليوم، يعني احنا بنطرح ان تحرير فلسطين اولا وتحرير المجتمع، الى اليوم احنا بنلتقي مع القوى السياسية الفلسطينية كلها بغض النظر عن توجهاتها بهدف استراتيجي اللي هو تحرير فلسطين. هلا ما بعد تحرير فلسطين احنا بنكون في حالة يعني حالة الحراك المجتمعي، بحيث ان احنا توجهاتنا يسارية وديمقراطية وتقدمية، فبدأ يكون في حالة صراع مع التيارات هذه بس على أرضية ديمقراطية، يعني خيار الجماهير أو بنحكم في الجماهير بكل الأحوال في خياراتنا. Il explique ses relations avec les autres partis. Il fait donc par exemple tous les partis qui sont d'obéissance, j'ai envie de dire islamiste, mais je mets entre guillemets, tu vois, voilà. Parce qu'islamiste en général c'est connoté négativement. Non, mais en fait, on est ni religieux. Voilà, je préfère dire ça, voilà, c'est pour ça que je mets entre guillemets. Et on s'entend hyper bien, donc encore une fois, on a des points en commun et des points qui divergent, dans le sens où pour la libération de la Palestine, on est tous anonyme, tu vois, anonyme. Unanime, unanime pour ce truc, unanime, etc. Mais par contre, pour la libération du peuple et le programme qu'on prévoit pour le peuple, là, voilà, social, et ben là, il y a beaucoup de divergences dans le sens où nous, on prône plus la laïcité, etc. Tout en gardant une certaine liberté, la liberté de la religion. On n'opprime pas, voilà, mais c'est juste qu'on prône plus un état démocratique et laïque. Tandis que les autres partis de ligne plutôt islam, etc., eux, c'est plus un état théocratique, ouais, tu vois, où, basé, tu vois, où la constitution serait basée plus sur la religion, etc. Donc là, ils ne s'entendent pas. Mais sinon, que ce soit tous les partis palestiniens, ils sont vraiment unanimes pour ce qui est de la libération de la Palestine. Voilà, ils travaillent à fond. Mais pour ce qui est de la société, là, il y a beaucoup de divergences. فقد تراجعت جماهيريا، انك تحاول تقول انك فقد تراجعت جماهيريا، فقدت كثير من مصداقيتها الجماهيريه، وفقدت مكانتها في حركه مقاومه. اوكي، السؤال الثاني اللي بتسال هو يعني بتسال اذا في كثير من الناس زي كانوا مع فتح وحاسين حالهم فتح ما بتمثلهم بتحققش يعني طموح كفلسطيني فتحاوي بتحقق ما حققش الطموح اللي انا في وجهه نظري في تفكيري يجب ان تكون فيه فتح، الدور اللي يجب ان تكون فيه فتح ما حقق، مع انه في محطات بعض المحطات اللي صارت كانت ضمن طموحي ورؤيتي، بس هلا التعلق بالمجتمع الدولي اكثر من اللازم، في المقابل فيش شيء الي كفلسطيني يعني بعد بلفور صار بعد ايام صارت الدوله اللي هي الاسرائيليه، ومن يوم بعد بلفور قرار التقسيم كان يفترض انا الي دوله. للحظه هاي بعد قديش من السنين، للحظه هاي بعد بلفور بالنسبه للشك تبعي ما تحقق. بتصل يعني اذا في كثير ناس يعني اذا في حدا اذا في كثير من المفكر بنفس النمط هذا طبعا موجود بعد. Donc il te dit en tant que membre du Fatah, etc., il te dit que personnellement il fait le Fatah a perdu beaucoup de sa popularité, etc. Il fait pourquoi? Parce que moi en tant que Palestinien, elle ne répond pas aux réponses. Il fait en tant que Palestinien, elle n'a pas répondu à mes attentes. Et à la, tu vois, il a fait on espérait beaucoup, on attendait de ce parti beaucoup, il fait, mais il n'a pas répondu à aucune attente. Il fait un État n'a pas été créé, il fait, on avait espoir avec Oslo que la création d'un État s'appelle, il ne l'a pas fait. Il fait aujourd'hui, il est là en stand-by, il ne répond plus à nos attentes. Et je vais te poser, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, qui sont pour le Fatah et qui justement pensent aussi que le Fatah ne répond plus à leurs demandes? Il a fait bien sûr qu'il y en a beaucoup. يعني انا بنفس يعني بعبر عن موقف رسمي في كل الاحوال، يعني احنا منظمه التحرير وحتى على الصعيد الشخصي منظمه التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي بتعبر عن طموح تطلعاتنا نحو الحريه والاستقلال. Okay. Donc pour Amouklou LP, il explique que le LP ça a été le premier représentant du peuple palestinien
Et c'était, elle a été créée donc, pour libérer Palestine. Des trucs ولكن احنا بنقول في الجبهة وهذا كمان ارتبط بموقف الشخصي ان بنقول ان المنظمة التحرير اليوم بالقيادة المتنفذة فيها على رأسها محمد عباس رئيس اللجنة التنفيذية هي بتنحب بشعبنا لمنحة خطير ومن هنا احنا بنطالب بإعادة ترتيب منظمة التحرير على أساس الثورة الفلسطينية ومشروعنا الوطني Donc là, il pose un avis personnel, il dit que donc, l'OLP, donc, elle était comme ça, sous de Donc il dit que l'OLP, sur base, donc, c'est, comme je vous ai dit l'intro, donc, c'était le premier représentant du peuple palestinien et tout, pour essayer d'acquérir la liberté, etc. Mais aujourd'hui, c'est donc, Mahmoud Abbas qui est le président de l'OLP. Et là, il a dit qu'il a l'impression que ça va, dans un, ça va en dégradant parce que c'est plus... Ça, il a l'impression que ça ne représente plus le peuple. Il faut absolument un changement. Il y a eu une élection depuis très longtemps. Voilà, déjà ça. Parties, voilà, il dit qu'il faut réaménager ce truc. Le truc. Parce que ça ne répond plus. Enfin, selon lui, hein, il dit bien que c'est la vie personnelle. Le sens l'autre, le bidon, le tenus de mon nom de Tahrir, il dit que mon nom de Tahrir est le chayab chabna, de 50 ans, qui est ممثل de Mahir Chabna, ممثل de Tahriyata. في كل أماكن تواجدت في فلسطين في لبنان في سوريا في عمان في كل أنحاء العالم هي الممثل الشرعي الوحيد هي مش السلطة السلطة هي بتمثل حالة سياسية معينة أو نتائج لاتفاقيات أوسلو وهي بتمثل شريحة محدودة من جماهير شعبنا بالتحديد في الضفة الغربية وغزة واليوم بعد حالة الانقسام أن أصبحت غزة بشكل وهذا نتائج اتفاقيات أوسلو بس منظمة التحرير بتمثل شعبنا في كل أماكن تواجدت في العالم Donc il explique que l'OLP, elle représentait le peuple palestinien partout dans le monde, elle fait peur partout dans le monde, il fait, c'est ça qui est différent de l'autorité palestinienne, il fait, parce que il rappelle que l'autorité palestinienne a été créée après les accords d'Oslo, donc c'est les accords d'Oslo qui ont fait que l'autorité palestinienne est née, et a fait... Oui, donc l'autorité palestinienne est née, c'était différent de l'OLP, tu vois, que l'OLP était née de... du peuple, tu vois, et pas des accords d'Oslo. Et puis à un moment donné, il a souligné que, avec tout ce qui s'est passé avec les massacres de Gaza et tout, puis il dit d'ailleurs, ça c'est une conséquence des accords d'Oslo. Après, Elsa, il a fait. Des accords d'Oslo. J'entends Elsa, et donc voilà, c'est ce qu'il a dit à lui. Il dit premièrement, pour ce qui s'est passé à Gaza, il fait pour moi le Fatah a une grande responsabilité. Il y a une part de responsabilité sur ce qui s'est passé dans sa famille à Gaza. Il fait parce qu'il n'y a pas eu de séparation entre l'autorité palestinienne et le parti Fatah. هلا صار اي واحد يصور اي سوق السلطه الوطنيه تعد من فتح اللي سوته السوق. باسكو لو بروبليم ماتنا على شاك فوا كو اوتوريتي فلسطينيين فا ان تروك سي ديريكتومون الفتح. صارت الازمه في بداياتها في غزه كان يوم حماس تتصرف اي تصرف مع اي مواطن السلطه الوطنيه تقول يلا هذا الفتح هذا مش عشان احنا هذا عشان هيك مع الاحلام مع بعض الاسماء اللي كانت في عندها شواهد ومشاكل مع الجماهير. هلا هاي القصه هي اللي خلت ابن فتحي يتفرج، في الاخير القصه بتنتهي. يعني فتح سبعية ستة باسم الاخلاق. Il dit que donc, le Fatah en général, le Fatah n'est pas un truc homogène, tu vois. Pour voir parce que l'autorité fait un truc comme ça, directement tout Fatah, tu vois, il y a beaucoup de. Comment dirais-je De تنظيم طبعا على اتفاق اوسلو يعني مرفوض من الاكثريه الفلسطينيه مش يعني مش من الشعب الجماهير يعني حتى من داخل فتح في ناس كثير بيرفضوا من البدايه طبعا يعني حتى ناس من داخل فتح يعني حتى امبارح في عضو اللجنه المركزيه من فتح في الاردن محمد جاد على التلفزيون انا مع فريق القدوم كثير من اعضاء اللجنه المركزيه من فتح رافضين اوسلو لان اوسلو يعني ما بيحقق شيء للشعب الفلسطيني نهائيا
Ok, donc il t'explique, il fait bien sûr qu'on est contre le fédéral, et que je pense que la plupart des Palestiniens sont contre les accords d'Oslo. Et puis moi je lui dis, je fais, mais dès le début, la fois il fait dès le début, il fait parce que il fait, ça ne répond pas à nos attentes, les accords d'Oslo. Il fait, mais ça sont même les, pardon, il fait même les partisans du Fatah, il fait, ne sont pas d'accord. Il fait encore peu, on a vu à la télé, apparemment un représentant en Jordanie du Fatah, qui a encore condamné les accords d'Oslo, il disait encore une fois que ça ne répondait pas aux attentes des Palestiniens. Et donc pour moi, je suis vraiment pas contre. وامريكا طبعا الانظمه في اوروبا وامريكا يعني بدهم ديمقراطيه بدها الديمقراطيه اللي بدهم اياها يعني تفسلهم ناس معينين او بيحملوا افكار معينه لكن اذا فرزت ناس يعني مش زي ما بدهم بصيروا يطعنوا فيها. اوكي في اكثر من دوله والدليل احنا في فلسطين هذا صار عندنا في ايران في دول كثيره جدا. اوكي إل إكسبيك كو لاميريك إي لوروب Ils ont besoin d'élections démocratiques, certes, mais les personnes qui doivent gagner doivent leur plaire. Si c'est une personne qui ne leur plaît pas, qui ne porte pas les mêmes idées que leur, ils sont obligés de les casser. Et fait le plus bel exemple que je puisse te donner, c'est l'exemple de Palestine. Et fait, c'était des élections démocratiques, mais leur tête ne leur revenait pas, sûrement. Et voilà. أنا كشخصية مع دولة واحدة ضمن إطار ديمقراطي للجنة. Avec donc toutes les populations qui vivent ensemble. Et pour le Fatah, c'est donc un État sur les frontières de 1967 avec comme capitale Jérusalem. Ça, c'est le Fatah. Une capitale palestinienne, Jérusalem-Est. Et ouais, et le droit du retour à tous les réfugiés. Ils sont pour la libération de la Palestine historique.